Bonjour. Bon, mais même avant ma carrière de chanteur, c'est surtout dès que j'ai une guitare. Dès que j'ai une guitare, la musique brésilienne, entre autres musiques, m'a attiré. Et après, ça a duré toute ma vie. Voilà, donc j'ai toujours aimé la musique brésilienne, la bossa nova, la samba. Et des musiciens exceptionnels, des compositeurs géniaux comme Carlos Jobim, des musiciens comme Baden Powell, des filles qui m'ont ému comme Astrid Gilberto. Et voilà, il y a plein de gens formidables là-bas et une musique très très belle. C'est. J'aurais pu le faire avant, mais je sais pas, on dirait que les choses arrivent quand elles doivent arriver, je ne sais pas. C'est arrivé à ce moment-là. L'idée n'était pas de moi au départ. Ça a commencé avec la chanson Spirit of Samba. C'est-à-dire que c'est Philippe Baden-Powell, qui est le fils du grand guitariste Baden-Powell, et qui lui-même est un très très bon musicien, avait envie de faire un album brésilien avec mes chansons. Et dans les chansons qu'il avait choisies, il y avait aussi Recollection. Il dit, je voudrais faire un Recollection brésilien. Donc il est en pourparlers avec une maison de disques qui était tout à fait partante pour le faire. Et puis ça ne s'est pas fait. Et 2 ans plus tard, je me suis dit, écoute, c'est dommage que cette idée ne se fasse pas. Pas tellement qu'ils reprennent mes chansons, ça aurait été. Mais l'histoire de ce Recollection brésilien, il dit, ce serait vraiment un truc à faire. Je lui ai dit, écoute, je vais le faire. On le fait ensemble si tu veux. Et donc ça a démarré avec ça. Et ensuite, une fois qu'on a enregistré la chanson, et après on a décidé en même temps, ben j'ai décidé de faire un album. Donc on a fait un espèce de Recollection brésilien, mais avec une mélodie donc originale. Du coup, Alain Souchon a fait les textes. Et puis il y a des textes aussi en brésilien, il y a des textes en anglais. J'ai la complicité de 4 chanteuses. Une qui s'appelle Luisa Maïta, qui habite São Paulo et qui est une chanteuse un peu de la nouvelle vague brésilienne, une jeune chanteuse. Une qui s'appelle Eloísia, une qui s'appelle Nina Miranda, qui a fait partie d'un groupe qui s'appelle Smoke City en Angleterre, qui est anglo-brésilienne. Et Smoke City d'ailleurs qui avait eu du succès. Et puis pour la partie anglaise, c'est une actrice qui s'appelle Kyle Early, qui fait partie de. Qui a joué dans des séries américaines, notamment Grey's Anatomy. En fait, j'ai rencontré. On me l'a présenté un jour. Et on me fait écouter ce qu'elle faisait et tout. Elle est venue à mon studio alors qu'elle était à Paris. Et j'ai trouvé qu'elle était venue avec son mari. Et elle chante des fois dans le groupe de son mari. Et c'est ce qui s'appelle Nathan West. Et j'ai écouté ce qu'ils faisaient tous les deux. Je trouvais ça bien. Et puis on a décidé qu'un jour on ferait quelque chose ensemble, quoi. Là, et le hasard a fait que pendant qu'on était en train d'enregistrer Spirit of Samba, elle était en tournée en Europe et elle est venue au studio, elle a chanté, quoi. Voilà. Oui, c'est enregistré à 1h30 de Rio sur une plage qui s'appelle la plage de Groumari. C'est la plage qu'on voit sur la pochette du disque. Et on a réellement enregistré comme ça. Donc il y a un ingénieur du son de cinéma qui est venu pour enregistrer le son. Il a disposé les micros. Et puis on a enregistré My Song of You dans un petit cabanon au-dessus de la plage. Et les 3 autres morceaux, on les a enregistrés. On est descendu sur la plage. Et on a enregistré les 3 autres morceaux. Et c'est pour ça qu'on entend la mer tout le temps, parce que pendant que je chantais, la mer, en plus, elle était assez agitée ce jour-là. C'était pas un petit clapotis, mais elle était très belle et un petit peu avec des petites vagues quand même. Et voilà, on entend la mer et ça s'est enregistré comme ça sur une plage déserte. Il y avait une plage à côté avec des surfeurs et nous, on est allé un peu plus loin sur cette plage magnifique là. Il n'y avait personne, donc on était tranquille. Et j'ai chanté. J'y suis allé pour faire le clip. Et on a profité que je sois présent pour le clip, pour aller enregistrer sur les plages,
ce que je voulais faire en France au départ. Finalement, on était tellement en retard dans l'album, on a décidé qu'on allait enregistrer ces chansons sur une plage de Rio, puis en même temps, c'est super. Du coup, on a enregistré là-bas et c'était très bien. Donc, voilà. Alors, au départ, le mot Belém, c'est la ville de Belém. Moi, et le bateau, un magnifique voilier qui est basé en Bretagne. Et donc, j'ai trouvé que c'était très joli pour moi, pour ma vie, d'appeler l'album Belém. Je trouve que le nom est très beau. Et à cause de la ville de Belém, à cause du voilier. Et j'ai appris le lendemain qu'il y avait une tour à Lisbonne qui s'appelle la tour de Belém. Et puis, il y a une forêt dans le Perche que je connais bien, qui est la forêt de Belém. Et j'ai dit à Alain que j'aimerais bien faire une chanson qui s'appellerait Belém, rien qu'à cause du titre. Il m'a dit en plus, Alain m'a dit, c'est que Belém, ça veut dire Bethléem. Donc il y a une connotation un tout petit peu spirituelle dans la chanson, c'est-à-dire rechercher le trésor perdu qu'on aurait en nous, qui nous ferait qu'on aurait une vision non seulement horizontale mais un peu verticale, et que ce trésor perdu, on le cherche et que peut-être il est dans la forêt de Belém, sur le bateau le Belém, dans la ville de Belém. La fin de l'album, si on entend la mer pendant un quart d'heure. Oui. Déjà ça fait du bien, on est sûr que ça fait du bien. Autrement, non, autrement, bon, les chansons. La première chanson, je l'ai écrite, j'avais 17 ans. C'était ma première bossa nova. La première chanson qu'il y a sur l'album, Timide. Je l'écris quand j'avais 17 ans. C'est ma première bossa. Et ma deuxième bossa, c'est elle qui finit l'album. Elle s'appelle Quand le soleil se couche. Donc elles ont toute une raison d'être, ces chansons, sur l'album. Après, j'aime bien les chansons. Rio me touche particulièrement. Parce que voilà, c'est la chanson que j'ai. Dès que je suis arrivé dans la chambre, il y avait un piano dans la chambre, à Rio. Je voyais tout Rio devant moi. Et dès que je suis arrivé dans la chambre, j'ai tout. Cet air m'est arrivé tout seul sous les doigts. Et j'ai trouvé le début de la mélodie directement, comme ça. Voilà, puis on a un côté un peu mélancolique, parce qu'il me manque la personne qui partageait ce moment-là. Donc à la fois, c'est le bonheur de voir Rio, une espèce de mélancolie en même temps. Légère tristesse. J'aime beaucoup cette chanson, mais j'ai toujours du mal à choisir dans les chansons. Merci à vous. C'est...